bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une quatrième vidéo sur Planet Coaster et vous n'allez absolument pas reconnaître le parc. J'adore, je suis absolument fan. Les amis, je suis très content de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo et je vous remercie énormément pour tous vos retours, pour tous vos conseils, etc. Gros big up à ceux qui sont passés sur la chaîne, qui m'ont découvert, ça fait vraiment trop plaisir. Il y a eu beaucoup de changements. En fait, je suis bloqué là. Je suis bloqué, je sais pas par quoi commencer. Écoutez, on va pas faire ça chronologiquement. On va faire ça dans l'ordre du parc. Donc, on se retrouve à l'entrée. Voilà, donc là, je vais pas vous montrer dans l'ordre des choses ce que j'ai fait. Mais il faut savoir que j'ai fait énormément de choses. Et donc, je sens que je vais oublier certaines choses. Bref, donc là, c'est l'entrée du parc. Alors, forcément, c'est trop tard. Je veux dire, le parc est déjà en place. Donc, je peux plus me permettre de faire des grandes choses, machin et tout. Donc, je me suis dit, on va pas se prendre la tête. L'entrée, on s'en fout complet. Pareil, l'entrée, j'ai fait ça à la One Again avec des ballons, tout ça, des petites fleurs. Voilà, c'est franchement pas le truc le plus fou que j'ai fait. Mais j'ai hâte que vous voyez la suite. Bon, là, je me suis amusé. Voilà, je vais pas en dire plus. Je me suis amusé. J'ai créé des toilettes. Et je suis trop content parce... C'est vraiment débile de dire ça comme ça. Mais je suis trop content parce que voilà, la construction, donc je l'ai faite. Elle est très simple. Mais du coup, c'est neutre. Et du coup, ça, il y aura partout dans le parc. Donc des toilettes comme ça, il y aura partout. Vous reconnaissez cette musique? Ah, moi, j'aime bien. J'aime bien. Si vous avez des astuces pour les haut-parleurs, comment les mettre en l'air, je suis preneur. Je trouve pas de poteau qui irait bien avec. Bref, donc voilà, j'ai fait ça. Bah, je suis content du coup de comment j'ai fait ça, tout simplement. Voilà, une de mes grandes fiertés. Un petit peu partout, des stands de boissons et de nourriture. Voilà, là, je suis très content. Je suis très content avec des petits détails par-ci, par-là. Bon, là, c'est vide, mais là, j'ai mis des petites fenêtres. Après, c'est derrière, on s'en fiche un peu. Hein. C'est surtout devant que j'ai mis plein de détails. Donc, avec de l'eau, du soda et des milkshakes. À droite, j'ai ajouté... Bah ouais, mais en fait, pour moi, c'est normal de voir ça, mais... Avant, il n'y avait rien, donc je sais pas qu'est-ce que vous avez vu et ce que vous avez pas vu. En tout cas, voilà, j'ai remis un stand ici. Voilà, avec un hot dog. Là, c'est pas pareil. Là, il y a toujours de l'eau, par contre. Très important de s'hydrater avec l'eau. Enfin, de s'hydrater. Par contre, là, c'est du hot dog, des frites et du café. Est-ce que j'ai changé quelque chose ici? Je crois pas, hein. J'ai rien changé ici, hein. Là, j'ai rajouté des auto-tamponneuses, mais ça a pas l'air de faire l'unanimité. Après, là, c'est très pauvre. Et là, une grande roue, mais voilà, c'est très pauvre par ici. Voilà, je vous montre le meilleur pour la fin. De toute façon, vous inquiétez pas. Voilà, on va revenir sur l'allée centrale tranquillement. J'ai fait un chemin qui part sur la gauche. Donc, à l'entrée du parc, là-bas. Mais attendez, ça, vous avez pas vu, ça, il me semble, si? Je sais plus. Bref, là, ici, donc j'ai fait un petit chemin... pour en fait tout simplement se faire éclabousser la figure par les bûches, tout simplement. Voilà, ceux qui veulent se mettre là et qui veulent se faire éclabousser, il n'y a pas de souci. Let's go! C'est parfait. C'est absolument parfait. Bref, ah oui, alors les lumières. Je commence un peu à travailler sur les lumières pour la nuit. À vrai dire, je suis pas fan et j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc pareil, si vous avez des astuces, je suis preneur. Les lampadaires, j'en ai mis pour essayer ici. Je vais pas vous mettre la nuit tout de suite, hein, on mettra la nuit tout à l'heure. Mais je suis pas fan de ces lampadaires, c'est absolument pas chaleureux. Donc je préfère largement de mettre ça au sol. Je sais pas ce que vous en pensez et j'attends vos retours là-dessus parce que j'ai vraiment besoin de vos conseils. Allez, l'allée principale, une de mes plus grandes fiertés les amis, là je suis très content. Alors j'ai rajouté des peupliers un petit peu partout, par ici. Le Green Hell, donc le 360 Power que j'ai appelé Green Hell, j'ai fait donc une petite fiche et... enfin une fiche, un panneau pour donner envie, zanzasion. La file d'attente que j'ai tout bien fait, que j'ai aménagé donc avec simplement plein de rochers. Donc comme ça on est vraiment dans le bain avec de la fumée de partout. Enfin de la fumée, on va dire que c'est de la vapeur. On n'est pas là pour s'intoxiquer. Donc voilà, je vous montrerai en vue aérienne plus tard. Hein. Vraiment, il y a tellement de choses à montrer. D'abord, je fais tout en vue FPS et après, je vous montre en vue aérienne. Je pense que ça vaudra le détour. Voilà. Alors oui, donc sur la droite, j'ai ajouté des petits éléments de décoration. Surtout à la base pour cette attraction là. Donc j'ai tout entouré par des haies, tout simplement. Donc j'ai tout entouré par des haies, même la file d'attente et tout. Donc vraiment, je suis vraiment content du résultat. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus habillé avec des plantations.
Là j'ai remis un stand, mais là c'est pour bien manger. Donc là ici, l'aire de pique-nique, souvenez-vous, je l'ai beaucoup mieux aménagé. Ok, il traverse les haies comme ça. Attends, j'ai fait une entrée ici, normalement c'est fait pour passer par là. J'ai ajouté un petit lac ici, un petit étang d'eau. Ça m'a fait penser à Didyland. Voilà, j'ai voulu faire comme Didyland. Pour ceux qui connaissent en Alsace, petit parc d'attractions tout petit, tout mignon. J'y étais quand j'étais tout petit. Et ça m'a fait penser à ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus sympa que de manger, de se reposer, de boire un coup dans un endroit idyllique comme ça, tu vois. Genre c'est idyllique un peu. Je sais pas comment dire. Donc j'aime beaucoup. Là ici pareil, les gens peuvent manger. Je suis content de comment j'ai fait la chose. Donc pareil, voilà, hein. Avec des sodas, des hot dogs, du bœuf. Ah, vous pouvez vous faire du hamburger, hein, y a pas de problème. Hein. Ce qui fait que là, j'ai ajouté un pont. J'ai fait un pont puisque l'eau ici ne vient pas de nulle part. Mesdames et messieurs, alors là, j'ai mis des toilettes aussi cachées. Voilà, des toilettes reculées un petit peu. L'eau vient d'ici, messieurs, dames. La cascade d'eau qui est derrière les bûches. Ah oui, j'ai fait une structure aussi pour les bûches. Alors, vu d'en bas... C'est vrai que c'est un petit peu bleu. Il faudra que j'ajoute encore des trucs pour camoufler la hauteur. Parce que je suis assez content. Je vais vous montrer de l'intérieur. Donc là, la file d'attente, on monte. Hop. Je graille tout le monde. Et là, regardez, messieurs, dames. J'ai essayé un petit peu d'habiller. Bon, c'est pas encore parfait, c'est pas fini. Mais voilà, j'ai essayé d'ajouter des petits détails. Je suis vraiment novice. Mais je pense que j'ai bien évolué, bien avancé en tout cas. Et ça ne pourra que être mieux. Mais donc voilà pour l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? En vrai, c'est pas trop mal, quoi. Et donc là, la cascade d'eau, tac. Et en fait, là, l'eau, elle coule ici. Je vous montrerai après en vue extérieure. Là, ici, le monsieur, là, qui gère l'attraction, je lui ai fait un petit passage, là. Backstage. Et puis voilà. On fera un tour sur des attractions tout à l'heure. La vidéo va être longue, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Vraiment, j'ai passé des heures et des jours, donc bon. Voilà, ça va être un petit peu long. Prenez à boire et à manger. Donc, on fera un tour après. Ici j'ai ajouté le petit panneau pour dire la zone futuriste est là-bas. Et d'ailleurs j'ai hâte de vous montrer certaines choses. Parce que c'est vrai qu'à la base c'est là-bas que j'ai commencé à faire des modifs. Mais on va continuer ici. Avec ici la petite zone un peu faite foraine. Donc toujours des toilettes par ici. Et donc là voilà, petite zone, comment ça s'appelle de nouveau ça? Elixir Machine. J'ai ajouté des confettis random et du fumigène aussi. Voilà, pour faire un peu comme dans les fêtes foraines. Donc de temps en temps il y a de la fumée qui sort de nulle part. Pour un petit peu, bon là ça tombe un petit peu mal parce que l'attraction est à l'arrêt. Mais en général ça tombe plutôt bien et quand l'attraction est en route, la fumée se met en route et c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup comment ça rend. Voilà, vive les fêtes foraines. Et vive les gros nichons aussi. Bon ça c'est encore autre chose. Voilà, donc j'ai mis des petites arches par-ci par-là, je me suis un petit peu amusé. Bon, le pavé est un petit peu glitché, hein, on va pas se mentir. La zone pirate, je l'ai refaite. Donc là j'ai ajouté pirate à zone. Et bah voilà, tout simplement, c'est vrai que tout ça, il n'y avait pas. J'ai refait l'attraction aussi. Voilà, donc vous ne reconnaîtrez pas. Et on va la faire après aussi. Mais j'ai refait l'attraction, elle est beaucoup mieux, forcément. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour le moment, il n'y a encore rien par ici. J'ai mis des boutiques, mais je les ai fermées parce qu'elles ne servent à rien. Tout simplement parce qu'il n'y a rien à faire ici, voilà. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un cul-de-sac. Hein, pour le moment, c'est un cul-de-sac. Là, on voit l'attraction d'ailleurs qu'on fera tout à l'heure. Je suis assez content du résultat. Du coup, ce bâtiment-là, c'est pas moi qui l'ai fait par contre. Hein. La majorité des bâtiments c'est moi qui les ai fait. Mais voilà, ces gros trucs comme ça c'est pas moi qui les ai fait. On va continuer par ici. Voilà, ça par exemple la petite je l'ai fermé aussi, mais voilà ce petit truc souvenir que j'ai fait. Dès que vous voyez que c'est simpliste comme ça, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Mais je suis content hein, parce qu'à l'époque je savais pas comment faire. Il y a encore quelques jours, souvenez-vous. Et maintenant je sais faire, donc c'est plutôt sympa. J'ai déplacé, oui j'ai déplacé. J'ai mis le machin animé ici. Le machin. Le pirate musicien, voilà. Le bateau pirate, ça n'a pas bougé. Une petite fontaine ici pour s'éclabousser. Ceux qui veulent s'amuser avec l'eau. Et puis la file d'attente pour l'attraction. Le Secret Blue. J'ai gardé le même nom, j'aimais bien Secret Blue. On fera un tour après. Bon, maintenant je vais me mettre en vue. Hop, voilà, en vue aérienne parce qu'il y a trop de choses à vous montrer et ça va être beaucoup trop long si on fait ça autrement. Enfin, si on fait ça en vue FPS. Donc bref, je vous remonte le Grinnell en vue aérienne. Voilà, j'ai ajouté des projecteurs, je l'ai entouré de pierres. Pareil pour les allées, donc voilà, pour faire vraiment forêt amazonienne. Hein. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui découvrent, et je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos pour voir l'évolution. Mais du coup, c'est pour faire vraiment forêt amazonienne. Alors si vous avez des astuces encore pour faire forêt amazonienne, je suis preneur. Et donc j'ai ajouté un petit peu des projecteurs.
Donc je suis pas encore à l'aise pour la nuit. Je vous montre aussi ici. J'ai ajouté donc des lanternes qui rendent vraiment très bien. Ça rend chaleureux le truc la nuit. Mais là, ça manque de lumière. Hein. Là, il n'y a pas de lumière, on voit rien. Par contre, pour ici, donc voilà, j'ai ajouté des projecteurs verts un petit peu partout. Ah ouais, ça rend vraiment bien les lumières au sol. Hein. Ah ouais, ça rend vraiment bien. Ah oui, j'ai fait un petit jardin ici, regardez. J'ai fait un petit jardin. Voilà, je suis content. C'est un des premiers trucs que j'ai fait aussi. Bref, ouais, les lumières au sol, ça rend super bien. Je vous montre aussi la zone far west avec les bûches. Que j'ai un petit peu... j'ai ajouté des petites choses. J'ai ajouté des animatronics. J'ai ajouté de la musique aussi. Voilà. Là aussi, il y a un animatronics. Il se cache là-bas, le petit cow-boy. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Un moulin. Je sais pas si ça s'appelle un moulin. Non, une pompe à éolienne. J'ai eu faux. Bref, voilà. J'ai ajouté des petits détails. Là aussi, des projecteurs, tu vois. Pour la nuit. Donc voilà. Ça, c'est pour ce que j'ai ajouté au niveau night. Mais ouais, du coup, je pense que... Vous me direz des nouvelles, hein. Mais je pense que ça, ça va être tout le long du parc. Toutes ces lumières-là. Ça peut être vraiment pas mal. Je vais remettre le jour. Hop. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Là, ici, je suis très content. Et là aussi, c'est pareil. C'est super bien habillé. Enfin, j'aime beaucoup comment c'est habillé ici, en fait. Et donc là, le pont. Le pont que j'ai fait. Et la cascade d'eau. La cascade d'eau que je suis pas peu fier. Alors, il y a beaucoup de débit, hein. Il y a beaucoup de débit d'eau. J'ai ajouté ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut pas changer la vitesse du truc, c'est dommage. Mais donc voilà, avec la cascade d'eau juste derrière. Et souvenez-vous qu'avant, il y avait rien, quoi. C'est rigolo, hein. Je trouve ça fou. Là aussi, j'ai habillé un petit peu, j'ai mis des rochers un peu partout. Voilà, tout simplement. Mais on fera un tour après, d'accord. Allez, on va aller dans la zone futuriste. De toute façon, vous l'avez vu, hein, de loin. Mais ça y est, j'ai pu changer la texture. Et je remercie énormément Banaif. Banaif. Je suis désolé, j'ai écorché ton pseudo, oh là là. Mais bref, merci beaucoup à toi d'être passé sur la chaîne, ça fait trop plaisir. Et comme dit, c'est un des youtubeurs que je regarde ses vidéos. En plus, bah, du coup, il en fait pas beaucoup de manière régulière. Donc c'est assez pratique, on va dire, parce que ça me permet de voir toutes ses vidéos. Et voilà, quand j'ai débuté, enfin quand je débute actuellement sur Planet Coaster, mais il fait partie des personnes à qui j'ai regardé beaucoup de vidéos pour me lancer là-dedans, quoi. Et grâce à lui, donc pour changer les textures, il m'a expliqué comment faire. Et donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On peut texturer maintenant avec cette pierre un peu de Mars. Enfin du coup c'est de la pierre Colorado, hein, on se comprend. Hein. On a ça aussi en Alsace si jamais. Enfin dans le 57 plutôt. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup ça ressemble à Mars. Et du coup messieurs dames, l'attraction s'appelle Objectif Mars. Et non plus ESA. Avant je l'avais appelé ESA. Maintenant je l'appelais Objectif Mars. On va refaire un tour dedans parce que j'ai amélioré beaucoup de choses. Mais genre vraiment. Genre vous voyez la porte là. Là j'ai fait des trucs. Bah vous m'aviez proposé en commentaire d'approcher la porte et donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai pas seulement fait ça. J'ai pas seulement fait ça. Sinon rien n'a bougé. Ah si, du coup vous m'avez aussi conseillé, j'ai essayé, hein. Donc j'ai mis de l'asphalte un peu partout. Alors vous m'en direz des nouvelles. Moi j'aime bien. Après ça manque de déco, quoi. Genre il faudra rajouter des bâtiments, des trucs. Mais c'était ça que je recherchais. J'en avais marre d'avoir de l'herbe en fait. Et je suis trop content que tout soit noir en fait. Parce que ce monde est noir. Voilà, j'ai ajouté des montagnes pour délimiter. Enfin des collines pour délimiter. Ça vous aviez déjà vu je crois. Pareil, là j'ai ajouté un peu de collines, de relief. Et puis là j'ai un petit peu plus caché le bâtiment des employés. Qui est absolument moche. Hein. Mais au moins il est caché, il est camouflé. Et même eux qui font la file d'attente là vous voyez. Eh ben ils peuvent pas voir la vie privée des employés. Donc ça c'est vraiment bien. Enfin la vie privée, tu m'as compris. Donc voilà, là j'ai rajouté quelques trucs, quelques éléments de déco, mais vraiment pas beaucoup. J'ai ajouté ça aussi. Ça on va pas refaire le manège, hein. Par contre. On va pas refaire le manège parce que ça va être terrible. Là dès que le train passe, les réacteurs vont se mettre en route. Attention, c'est maintenant. Voilà, c'est formidable, c'est la magie de Noël. C'est exactement pareil pour ici. Voilà, c'est pareil, hein. J'ai pris des trucs préfaits, hein. Je me suis pas pris la tête. Mais ça rend pas mal d'avoir mis des petits vaisseaux spatiaux comme ça. Mais c'est tout ce que j'ai fait au niveau de cette attraction. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans quel ordre? Je ne sais pas. Allez, on est parti pour l'attraction Objectif Mars. Donc, on l'a déjà fait dans la précédente vidéo. Le parcours n'a pas changé. Mais la déco a changé, l'environnement a changé. Et ça change pas mal au niveau de l'attraction. J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Enfin, c'est pas une impression. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Le fait d'avoir un petit peu tout changé. Donc voilà. Le scénario, hein.
des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux spatiaux, je suis vraiment un bouffon, des vaisseaux spatiaux qui se sont crashés avec des aliens, c'est la guerre, et on est sur Mars et tout ça quoi. Donc voilà pour un petit peu le scénario de cette attraction, et je suis assez content. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? 3, 2, 1, c'est parti! Let's go! Tac, des rayons laser dans la figure, ça c'est nouveau. La porte beaucoup plus proche. Et surtout, attention, voilà, ça clignote. Je suis content, voilà. Certains diront c'est pas ouf, mais moi je suis content. Il faudrait que je rajoute une alarme en vrai. Genre, ce serait pas mal en vrai. Hop là, l'attraction juste au-dessus. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime quand tout se chevauche. J'adore. Voilà, messieurs, dames, on est quand même sur quelque chose de relativement sympa. Ah là là, j'adore. J'adore. Oh, le papy à côté, il est pas bien. Oh, le papy à côté, il est pas bien, il a perdu ses cheveux. voilà donc pour cette attraction, je suis vraiment, vraiment content. On va pas refaire celle-là, voilà, on connaît. Je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos. Mais il n'y a pas encore assez de décor pour le refaire, pour le coup. Donc voilà. Je vous propose de découvrir du coup The Secret Blue, donc cette nouvelle, ce nouveau parcours. Donc c'est parti tout simplement, donc on va faire la queue évidemment, donc c'est par ici, hop. Donc ça n'a pas changé ici, hein. Ça n'a pas changé, enfin du coup il y a juste le parcours. Les décors ont un petit peu changé, mais au niveau de l'eau, il n'y a rien qui a bougé, voilà. Ah si, juste un truc, dès que là il y en a un qui passe, hop, mais dégage toi. Voilà, en fait ça fait une animation avec de la farine. On va dire que c'est de la farine. Ah oui, donc du coup j'ai pas encore fait de structure. Maintenant que j'y pense, mais je pense qu'on j'en ferai une très bientôt. Mais j'ai fait un petit peu de déco. Et ça c'est pas mal. Donc voilà, on est parti, on est dans le petit bateau. La fin se déroule dans l'eau, mais le début ne se déroule pas dans l'eau. J'ai suivi tous vos conseils, toutes vos critiques. C'était d'ailleurs sur ma toute première vidéo de Planet Coaster. Donc il n'y a pas beaucoup de remontées. Pour ainsi dire, il y en a que deux. Voilà. Il n'y a que deux remontées et le reste, c'est à la one again. Voilà, on est parti. Oh, toi, j'ai envie de t'appeler Fredo. Donc voilà, c'est parti. Là, oui, regardez, j'ai fait un petit... je vous montre après en vue aérienne. J'ai fait un scénario d'un bateau qui s'est crashé aussi. Voilà, donc je suis content. Allez, donc la première petite remontée, donc vraiment très légère. Pas longue, pas chiante. On est au-dessus des gens. Et j'ai envie de dire, on est parti quoi. Levez les mains en l'air, profitez bien et donnez-moi vos notes et vos avis et vos astuces. Ce qu'il y aurait à améliorer. Et vous voyez, là on est sur quelque chose d'un peu plus fluide. J'ai quand même un peu mieux compris comment ça fonctionne. Ce sera jamais parfait. Je ne suis pas un coaster, voilà, mais... La deuxième remontée, ou plutôt la première vraie remontée, et ce sera la seule. Hein. Et là on est parti. Ça va swinguer. Attention au dos. Le dos va en prendre un coup. Les mains en l'air, on passe dans le requin, des jets d'eau. Hop là, on se fait bouffer par le requin. Ah, ils sont contents, hein. Ah, ils sont contents, hein. C'est parti! Ouais! Et là, on se calme. On se calme, hein. Tout de même, hein. Ça va la comédie, hein. Et là, on va finir dans l'eau. Alors là, ça va être peut-être un peu brutal, mais ça va encore. Mais je ne peux pas faire autrement. Plouf! J'ai découvert comment faire pour changer le mode nuit, le mode de caméra aussi. Donc, voilà. Petite salle au trésor, un petit peu. Toujours sympa, voilà. Petit décor. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait énormément, mais... Mais ça va, ça aurait pu être pire. On va faire un petit accéléré quand même. Voilà. Là normalement si tout est bien calculé, il y a les jets d'eau, voilà. Et on devrait voir l'autre wagon arriver. Parfait. Et lui nous tire dessus. Normalement. Voilà, c'est super, on est mort.
C'est génial. Bref, et donc là c'est fini. On fait la dernière, enfin la dernière remontée. On arrive à la fin quoi, tout simplement. Donc voilà, je suis assez content. Vous m'en direz des nouvelles. Forcément, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Pareil, on n'avait pas vu, mais là aussi il y a une petite animation. Enfin voilà, les automatismes quand le wagon il passe là au début. Hop, lui il nous tire dessus. Voilà. Oui, donc ouais, là j'ai fait donc j'ai ajouté ici, j'ai fait le cours d'eau là, voilà, un petit cours d'eau là. À la base, j'avais fait ça pour que ce soit moins monotone pour les visiteurs ici. Et du coup, bah, m'est venue l'idée de faire carrément là, genre un bateau qui s'est échoué carrément, tu sais, genre il est venu au large et hop là. Donc je suis assez content. Voilà pour le scénar. Et puis finalement, bah, les bûches. On va terminer par les bûches si vous le voulez bien. Mais niveau décor, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant, hein, clairement. Le petit hamburger. C'est quand même beaucoup plus intéressant au niveau décor, donc je suis assez content. Pourquoi il n'y a pas le jet d'eau? Ah, voilà. Je me demandais où était passé le jet d'eau. Ah, je suis content. Hein. Je suis vraiment content de commencer à évoluer. Et je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et tous vos commentaires, tous vos likes. Je sais qu'il y en a qui ont partagé les précédentes vidéos aussi, je vous en remercie. Et je suis content de voir l'évolution, quoi. À la base, c'était juste pour tester, juste pour m'amuser. Et là, c'est devenu une addiction totale. Une addiction totale, les gars. C'est grave. C'est vraiment grave. J'adore. Et là, j'ai ajouté une petite caméra de surveillance pour la sécurité. Voilà. En fait, j'aurais peut-être dû la mettre ici. C'est pas grave. Allez, sensation ! J'adore. Avec la petite musique d'ambiance. Petite musique cow-boy. Oh yeah. Pareil, hein, si vous avez des astuces, des idées pour le décor et tout, hein, franchement, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Tiens, on va pas le manquer cette fois-ci. Le bateau, là. Lui, on va le voir nous tomber sur la gueule. Enfin, nous tomber sur la gueule. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ça, ça me permet de voir, est-ce qu'on le voit le bonhomme? Ah, on le voit pas trop en vrai. Hein. C'est un peu bas. Hein. Bon, bref, un petit accéléré. Hop. Une autre caméra de surveillance ici. Ah, le Grinnell, il est pas en route. Je suis dégoûté. À chaque fois, il est jamais en route quand on est là-haut. En vidéo, c'est fou. On a une belle vue sur le parc là quand même. J'aime beaucoup. Hein. Ah, j'aime bien. Il y avait rien avant, c'est fou. J'adore. Et là on est dans la roche. J'adore. Petit accéléré quand même. Je vais vous épargner tout ça. Et donc voilà tout simplement. Ah j'aime bien. J'aime bien. Ah mince, il y avait une roche en bas, il faudra que je l'enlève. Je sais pas si vous l'avez vu. Faudra que je l'enlève, j'aime pas. Et pareil, hein, la file d'attente pour la sortie, je l'ai aussi habillé quoi. Je vous avais pas montré, mais voilà, je l'ai habillé. Oh non, ils jettent leurs déchets, faudra que je mette des poubelles. Bref, voilà, je suis trop content. Mais j'ai forcément raté des trucs, hein. Ça m'a pris tellement de temps, même si pour certains, voilà. Alors j'ai vraiment pas touché cette attraction parce que je suis vraiment pas convaincu. Je me tâte même à l'enlever. Je sais pas ce que vous en pensez. Les gens l'aiment beaucoup par contre. Il y a une belle queue. Mais je me tâte à l'enlever et à faire une autre attraction ici. Quitte à ce que ce soit les mines quand même, tu vois, genre une attraction minière, mais différemment. Parce que, bah voilà, je suis pas convaincu, mais en même temps je sais pas, niveau décor j'ai aucune idée, aucune imagination, alors que vous voyez, pour ça j'ai plus d'idées, pour la zone future j'ai plus d'idées également, et la zone pirate aussi, mais là la zone mine j'ai un petit peu du mal, donc je sais pas trop. Et par contre d'ailleurs ici, ah non c'est bon, il y a personne, je les ai pas pris la main dans le sac. Non, parce qu'ici c'est l'endroit pour les employés et j'avais vu des visiteurs qui s'étaient mis là ici pour manger tranquille, alors bon c'est pas bien grave, hein. En tout cas voilà, j'ai plus envie de recommencer un nouveau parc en fait. Genre là j'ai juste envie de faire celui-là et de le rendre au top quoi. C'est dingue. Donc voilà. Bah c'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.